Ah, salut ma gang de vous autres, bienvenue à Metal Gras. Aujourd'hui, je vous parle du band Rough Cut avec leur premier album qui est un album éponyme, donc qui s'appelle Rough Cut. C'est-tu que j'ai des albums éponymes? Bref, tout ça pour dire que je suis un gros fan de glam, hair metal, pop metal, appelez ça comme vous voulez, le hard rock des années 80. Même s'il y a beaucoup de ces bandes-là que ben des fans de metal disent que c'est pas du metal, ils sont pas listés sur Metal Archives, j'aime beaucoup découvrir des bandes de ces années-là parce que veux pas, les gars se forçaient pour faire des tunes catchy. Mais chaque règle a ses exceptions. Rough Cut, c'est un peu une exception à cette règle-là. L'album est pas complètement horrible, mais le band n'a pas eu tant de succès que ça. Puis il y a une raison à ça. Premièrement, le chanteur s'appelle Paul Sorrentino. Il a été sur la genre de tune qui était une réponse à We Are The World, écrite par Dio, qui s'appelait We Are Stars, qui est une vraiment bonne tune, même si elle est utilisée en Christ. C'est ça qui m'a fait découvrir Rough Cut, honnêtement. Puis d'ailleurs, le band a été managé par Wendy Dio, la blonde de Wendy de Ronnie James Dio, puis elle a même des crédits sur une des tunes, ou plusieurs tunes, peu importe, en tout cas, bref, est dans les crédits de la composition de cet album-là. Tout ça pour dire que l'album en tant que tel manque de vie, manque de substance, c'est assez décevant comme album. Le rock des années 80 était reconnu pour son catchiness, pour « Hey, c'était pas ça vraiment écœurant » ou ben « Hey, est-ce que ce refrain-là reste dans la tête? » Il y a pas tant de ça dans cet album-là. Il y a une crise de bonne tune, mais vraiment écœurante, qui est « Kids Will Rock ». Commence un peu menaçante, pesante comme mon ex, des passes créatives à la guitare, surtout pendant le deuxième couplet, puis du Christ du bon hard rock, vraiment une hostie de bonne tune. Mais l'album a plusieurs problèmes. Premièrement, trois ballades. Trois fucking ballades, t'sais. Je peux comprendre que les power ballades étaient populaires dans les années 80, c'est la différence entre pas passer à la radio puis passer à la radio, mais trois? On sait. Ça dénombre. Ça veut juste dire que les gars étaient tous. On sait pas si on est bon pour écrire des ballades, fait qu'on va en écrire trois pour être sûr. Puis en plus, la première, c'est un cover de, je pense, Janis Joplin. En tout cas, la deuxième tune, Peace of My Heart, une tune rock bonbon, une power ballade aussi bonne que de manger des restants qui traînaient dans le frigo depuis deux semaines. L'autre ballade, c'est Dreaming Again, qui est juste une petite affaire meilleure que Peace of My Heart, mais ça veut plus dire que Peace of My Heart était vraiment atroce, puis c'est juste facile de faire meilleur que ça. Manque vraiment de passe, hey, cette passe-là était accrocheuse ou bonne, ou j'ai envie de m'en rappeler, y'a rien de ça dans cette balade-là. La troisième balade, par exemple, est pas si pire. You Keep Breaking My Heart, un titre vraiment générique pour une power balade. De quoi de potable, commence à trosser ma plate sur le clean, mais la distorsion embarque, pis sans monter en 11, reste quand même bonne. C'est rendu aussi à la 7ème track que tu te dis, Chris, finalement le chanteur est pas si pire que ça, parce que je n'ai parlé de Paul Sorrentino, mais on dirait qu'il y a une voix comme le chanteur de rap, mais plus version, je fume trop, je suis sur le bord de pogner le cancer. Fait je sais pas. Là, j'aime les voix rauques, cette voix-là, ça m'a pris la. Ça a été jusqu'à la 7ème tune, bref, avec Je l'aime. Fait que, je sais pas. L'album commence avec Taker, qui est une pas pire tune. Mon riff principal, les riffs des couplets, par exemple, manquent de notes, mais reste un petit bon opener. Fini avec le riff de Hall of the Mountain King, en tout cas une partie. Never Gonna Lie, la troisième, est un cover d'un band australien qui s'appelle The Core Boys, peu importe comment ça se prononce. Quand même bon, on est crissement loin du métal ici, mais la toune elle a un refrain vraiment accrocheur, fait que pour ça c'est pas si pire. Une autre toune pas si pire, c'est la cinquième, Cut Your Heart Out. On dit que je suis bon pour prononcer l'anglais, là. C'est l'enfer, je me surprends toutes les fois. La cinquième toune, bref, elle dure 2 minutes 30, assez rapide. Je veux dire, ce genre de toune-là, tu fais juste rajouter de la vitesse. Puis c'est la seule affaire qu'ils ont besoin, puis c'est la seule affaire que j'ai à dire sur cette tune-là, de la vitesse. L'album finit avec deux tunes vraiment, vraiment poche. Dress to Kill manque dangereusement de notes dans les riffs. Le chanteur essaie plein d'affaires pour rendre le tout intéressant, mais avec des fondations si faibles dans les riffs, c'est normal que tout s'écroule. L'album finit avec She's Too Hot. Hot a deux T, parce que sont de même, sont conceptuels à ce point-là. Ressemble à une version plus poche de Heading Out to the Highway de Judas Priest. Le solo a envie d'être bon, mais le reste de la tune
va aux chiottes, fait que l'envie passe. La toune la plus horrible, par exemple, c'est la sixième Black Widow, manque dangereusement de riff, des tom-tom, tom-tom. C'est pas suffisant, surtout que le chanteur a de l'air à s'emmerder royalement. Tu sais, les gars, je le sais, faire un filler, des fois, tu n'as de besoin, mais Chris, au moins, faites semblant d'avoir du fun. Je veux dire, cette toune-là a autant de vie que la moitié des membres des Beatles. Tout ça pour dire, j'ai chialé sur cet album-là. C'est quand même un petit peu plus haut que la note de passage, par exemple. C'est pas un album que j'ai regretté d'avoir écouté. J'ai pas perdu mon temps, c'est juste qu'il y a trop de points faibles pour rendre ça bon. Ça vaut pas plus qu'un 6.5 sur 10, si vous voulez mon avis. À réserver aux fans extrêmes de hair metal qui ont pas tout attendu puis qui veulent en entendre plus, mais pour un fan de metal puis un fan de hard rock en général, je peux pas vraiment vous conseiller ça. Tout ça pour dire que je vais me fermer à gueule puis je vais faire un zoom sur ma grosse face. En passant, je m'excuse s'il y a un petit râlement dans ma voix que je sais pas si vous avez entendu ou pas, j'ai un petit rhume. Tout ça pour dire que je vais essayer de critiquer plus de hair metal parce que je suis un gros fan de ce groupe-là, même si les albums au complet, des fois, c'est loin d'être consistant. Merci d'avoir écouté et à la poche pleine, faites attention à vous autres, merci beaucoup et à renvoyer.